Hey, coucou tout le monde, on se retrouve enfin pour la vidéo sur le rangement maquillage. Franchement, j'ai galéré de ouf, vous allez voir durant la vidéo. C'était pas mal compliqué quand même. Il m'a donné du fil à retordre, c'est pour ça que vous voyez la vidéo que maintenant. Alors, ce qui est très important quand vous construisez vos meubles, hein, c'est de toujours mettre une couverture en dessous pour protéger les meubles, parce que parfois on appuie avec nos vis, oh, etc. Tu vois. Et du coup, il vaut mieux mettre une couverture. Bref. Je change de métier aujourd'hui et je deviens bricoleuse, comme l'a fait Clochette. J'ai galéré à chercher la notice pour pouvoir construire le meuble, donc une fois que j'ai trouvé, franchement, j'étais trop trop contente. C'est parti en tout cas pour le montage de ce meuble. Ça n'a pas fonctionné comme je voulais en fait à la perceuse. Avec la perceuse, j'ai voulu utiliser le bas de la perceuse comme marteau. Mais je crois que j'ai plus cassé, enfin failli casser en tout cas la perceuse plutôt qu'autre chose. Une vraie cata, moi. Après, entre nous, je pense que faut y aller vraiment hein, pour casser une perceuse. Mais bon, ça m'a fait flipper sur le coup quand même. One eternity later. Une petite explication s'impose. En fait, durant toute la vidéo, j'ai eu du mal à... Enfin, en tout cas, j'ai mis beaucoup de temps à lire la notice pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne, pour éviter de me tromper, etc. Pour au final devoir pas mal de fois recommencer. Hein. Aïe, 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 aïe. J'ai enfin trouvé la pièce que j'ai mis trois plombes à chercher, clairement. C'est la première partie d'un des petits tiroirs. Pour la petite anecdote, mes petites paillettes, c'est vrai que je mets du temps à comprendre un petit peu comment fonctionnent les notices, etc. Mais dans ma maison, en tout cas, j'ai quand même réussi à construire seule le lit de mes enfants, ainsi que ma cuisine. Ça a toujours été une passion pour moi, en fait. J'adore bricoler, construire des choses, etc. Et c'est clairement une passion que m'a transmise mon papa. Alors là, clairement, j'ai mis du temps quand même à comprendre que j'avais foiré et que j'ai construit le meuble à l'envers. Je mets du temps à comprendre les notices et finalement, je comprends rien. Non, fallait juste que j'échange les deux planches. Tu vois ça juste après, mais franchement, déjà, j'en pouvais plus. Mais alors là, quand il fallait changer les deux planches, j'étais tellement dégoûtée. Mais bon, il faut ce qu'il faut, allez, il faut se donner du courage, hein. J'ai enfin terminé le montage du premier meuble Alex et là franchement je suis soulagée et je suis plutôt contente. Voilà le avant. Donc ouais, je filme dans ma chambre, tu vois. Donc là c'est ma chambre, petit tapis et tout au calme, avec la peluche de mes enfants. J'adore mon ordi, mais bon, il va pas rester là. Voilà, voilà comment est ma chambre. Là il y a les petits doudous de mes enfants et je me suis fait une pièce, un coin make-up là-bas. Bref, là c'est le foutoir clairement et j'en ai marre. J'ai envie de changer tout ça. Donc là maintenant c'est ma nouvelle chaise, trop belle. Et les meubles Alex, tu vois, qui vont aller là et qui vont faire un bureau. Donc, on va changer tout ça. C'est parti, en tout cas là-bas. Ça va rester comme ça. On va changer tout ça là-bas, ensemble. Déjà, je vais sortir tout ça. Enfin, en tout cas, je vais me déplacer. Je vais pas sortir. Oh, on est bon, je. Je vais sortir. Enfin, je vais le mettre juste là. Je
Je déplace les meubles pour pouvoir ensuite mettre les nouveaux meubles. Donc je fais un coup de propre, j'enlève la poussière qui traînait en dessous les meubles, comme ça au moins c'est une bonne chose de faite. Et une fois que je placerai les nouveaux meubles, ce sera déjà tout propre. J'essaye de rien faire tomber bien sûr, et puis voilà, je fais tout nickel chrome. J'essaye de trouver quel positionnement est le mieux par rapport à la planche ainsi qu'aux meubles en dessous pour que ça tienne bien, que ce soit bien équilibré, etc. Et puis je me suis vite rendu compte que la planche que j'avais prévue au tout départ dessus les deux meubles Alex n'allait pas convenir en fait. Elle était beaucoup trop courte par rapport à ce que j'avais besoin. Et en fait la planche que j'avais prévue sur le côté de base était elle plus longue. Du coup j'ai inversé. Et puis voilà, voilou. Là, il y a tout ce qui a cassé la gueule quand j'ai essayé d'enlever la couronne de Noël et j'ai réussi à tout rattraper, mais j'ai eu vraiment peur. Un rechangement s'impose encore. Pourquoi? Parce que en fait, finalement, comment j'avais monté tout, au tout début, c'était très bien. Les trous qui sont sur la planche du dessous, en fait, étaient là pour être placés au-dessus pour pouvoir ensuite fixer la planche. Enfin bref, un gros bordel. Bon, clairement, mes petites paillettes, ce meuble me donne beaucoup de fil à retordre. Et en plus, il me manque des pièces. Donc, on finira la mise en place de mon bureau make-up demain, quand j'irai chercher ce qu'il faut comme pièce à Bricorama. Parce que là, aujourd'hui, j'ai pas eu le temps. Et en plus, vu que j'avais vu qu'il y avait des trous, tu sais, sur la planche, je me suis dit, c'est cool. Ils ont déjà pensé au fait qu'on puisse mettre un meuble en dessous et l'accrocher ensemble. Hein, et l'accrocher, en fait, ouais, les deux ensemble, comme tu as pu voir tout à l'heure. En tout cas, j'ai essayé de le faire. Là, je remarque que ça va pas le faire. Et je vais devoir peaufiner à ma sauce. Donc, ce que je vais faire, je pense, hein, je suis pas sûre, mais je pense en tout cas que soit je vais prendre des palets en fer comme ça pour fixer, soit je vais prendre des vis en fait, je vais prendre un vis qui va traverser la planche tout simplement, ou sinon je la poserai comme ça et je toucherai plus. Mais en tout cas pour la planche contre le mur, il va falloir que j'aille chercher tout à Bricorama, donc à tout de suite. On est le 20 janvier et j'ai demandé de l'aide à monsieur pour finir le bureau parce que clairement je galérais, donc je te montre tout ça. On y est enfin arrivé à sur bout. Netflix. Sur Netflix, mais non, bah sur Netflix, on a fini de construire le bureau. Alors voilà comment ça se présente. Ici c'est mon bureau où je travaille tout le temps en fait, maintenant. Donc je voulais une grande planche ici, tout simplement pour avoir de la place pour poser mes produits et tout. Là-bas j'ai mis ma petite boîte, tu vois, que j'ai acheté chez Action, si jamais t'as suivi la vidéo, pour justement mettre toutes les nouveautés que je vais vous parler, toutes les futures vidéos, etc. Donc tout est là-dedans. Ici, il y a tous mes rangements, tu vois. Attends, je crois qu'on voit un peu flou. Ici j'ai mis tous mes pinceaux, les gros, les petits, avec tous mes crayons comme d'hab. Bon là c'est ma crème en ce moment pour le dos parce que j'ai trop mal au dos. Enfin bon voilà, tu vois, du coup ça me fait vraiment de la place. J'ai laissé qu'une seule grande lampe parce qu'avant j'en avais deux et c'était beaucoup trop. Plus une ring light pour changer la lumière parce que des fois c'est un petit peu trop jaune, etc. Cette boîte là elle va virer parce que là dedans tu vois j'ai tous mes mascaras et tout. En dessous j'ai tous mes anti-cernes et tout ça. Mais en fait j'ai acheté une boîte pour pouvoir ranger tout ça et aussi tous mes rouges à lèvres parce que tu vois, ça c'est la nouvelle collection de Kiko. Non mais tu vois là j'ai tout plein de rouges à lèvres, de l'autre côté aussi j'en ai plein là dedans, tu vois, donc ça fait beaucoup trop. J'ai acheté ça sur le site de AliExpress et j'ai pu ranger tous mes petits trucs, toutes mes bases, toutes mes crèmes et tout. Regarde, je sais plus combien j'ai payé ça mais franchement je l'ai payé pas cher du tout, vraiment. J'ai mis ma petite boîte à musique pour faire joli.
Et puis au niveau du décor, là pour l'instant, rien n'a changé. Mais ça va changer au fur et à mesure du temps. La chaise aussi, je l'ai changée. Tu vois, bah ça, je vais le mettre sur la table après pour protéger. J'ai pris cette chaise-là. Attends, ça y recule un peu, sinon on va te voir. Rose et blanche. J'adore. Elle est trop belle. Et je peux tourner. C'est cool. Ça, et puis voilà, les meubles à l'aise, quoi. Avec plein de rangements dessous ici. Et plein de rangements aussi là-bas. Et puis, tu vois, finalement, celle-là, plutôt que de l'accrocher au mur, j'ai mis des pieds. Que j'ai acheté chez Amazon, je crois que les 4 pieds, ça m'a fait 40 euros à peu près, et ils sont durs, hein. Tu vois, ils sont durs, ils sont bien costauds, et puis finalement c'est pas plus mal comme ça, comme c'est pas un appartement que j'ai acheté, mais que c'est une location, comme ça au moins je touche pas au mur si tu veux, tu vois. Et là j'ai mis mon bureau pour pouvoir travailler, tu vois, donc là j'ai le bureau pour pouvoir faire du maquillage et ici le bureau avec mon ordinateur. Donc voilà, je revis là, laisse tomber, c'est trop bien. Plus tard, ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de rajouter une planche là en dessous, tu vois, pour pouvoir ranger encore des choses là. Donc voilà. On s'est mis là avec Nayla. On espère que vous verrez bien. Normalement, oui, hein, vous verrez bien le meuble. Et on va ranger en maquillage qu'il y a là-dedans. Alors, le maquillage qu'il y a là-dedans, tu vois, c'est mon meuble à maquillage classique, en fait. On va le ranger dans le meuble Alex. Donc, on va vous montrer tout ça. Je vous repositionne là où vous étiez. Bah, c'est parti. On va commencer par le bas. On va ranger toutes les palettes en bas. Du plus petit au plus grand. Alors, là, non, justement, il faut que tu me donnes les grandes palettes. Voilà, celle-là. Hop. Allez, c'est parti. Ah ouais, elle a que des trucs de beauty B. J'ai pas fixé les meubles Alex sur le côté pour pouvoir avoir, tu sais, une plus grande place. Voilà, maintenant, toutes celles qui sont comme ça. Vas-y, fais voir, est-ce qu'elles peuvent aller sur le côté. Alors on va plutôt les mettre comme ça pour que sinon je les verrai pas. Pourquoi tu essaies de pas les mettre? Ah ouais, comme ça. Ça la mettre, c'est une palette de... Alors attends, toutes les palettes de Natacha, on va les mettre ensemble. Toutes les palettes de Huda aussi. Et toutes les palettes de... C'est un Beauty Bee, on va tout mettre ensemble déjà. Moi, en attendant que tu fasses ça, moi je regarde un peu les palettes. Huda, Natacha, ça. On va mettre les grosses, on va les mettre. Merci. J'adore, j'adorerais avoir des palettes comme toi. T'inquiète pas, quand tu seras grande, tout ce qui est à moi, c'est à toi. Tu pourras venir te servir. Oui. Vous avez vu, la relève est assurée. Ça, je le mets où? Ça, attends, je sais pas encore. Tiens, déjà, on va prendre toutes celles avec un B comme ça, Leïla. Regarde, on prend toutes celles avec un B. Attends, je regarde, maman, c'est les mêmes. Oui, ouais, je sais. On les met ensemble. Comme c'est les mêmes, on les met ensemble. Ah, je suis mieux là. Mais moi, je suis très bien. Oui, Leïla aussi. Alors, tu vois, voilà, on met toutes celles de Beauty B là comme ça. En fait, Beauty B, il y a un B comme ça, Leïla. Un B. Natacha, c'est Natacha. ABH. ABH. Tiens, donne-moi toutes les palettes qu'il y a dans le meuble. Là, toutes celles-là. Regarde, il y a un B là encore sur celle-là. Parfait. Non, elle n'a pas de B, elle n'a pas de B. Moi, je cherche celle qui a B. Ça y est ? Il n'y a plus de B ? Et en haut ? Moi, je ne vais pas regarder, mais si je me lève, on va voir. Non, non, juste tu prends avec tes mains. Prends tout. On met tout par terre. Et après, ce sera à moi, ça. Ouais. Alors, le mien. Je fais doucement, regarde. Palette de Too Faced. Est-ce que j'en ai encore une de Too Faced, là? Est-ce qu'elle passerait, celle-là? Waouh, pom-pom. On dirait pom-pom girl. Ouais, ben, en fait, c'est les Winx Club. C'est un dessin animé pour les petites filles. Oui, je connais. Martine Cosmos. On l'a regardé une fois ensemble. Ouais, mais je sais pas si t'avais aimé ou pas. Hop, donc le premier tiroir est fait. C'est Beauty Bay. Ensuite, ah oui, là j'avais mis mon fer
à friser. Attends, on va le mettre ailleurs. Oui, et le mien aussi pour faire des bouclettes. Oui, c'est vrai, c'est à toutes les deux, t'as raison. Allez, Neila, continue. J'adore ce pom-pom girl. Non, c'est les Winx Club. Tu préfères laquelle? J'aime bien celle-là et celle-là. Ouais, moi, c'est celle avec les cheveux rouges que je préfère. Oh, elle. On va mettre toutes celles-là. Elle, maman, ouais. Moi aussi. C'est vrai. Tiens. Après, la BH, je vais la mettre là. T'as est-ce dit qu'elle les passe quoi debout? Non. C'est quoi les Wings Club. Ils sont trop belles, les Wings Club. La muse. J'en ai une autre comme ça, petite noire, là. Tu peux me la donner, s'il te plaît? Alors, voilà. Merci. Je crois que c'est tout ce que j'ai de chez eux. Et Color Fish. Color Fish. Ça, c'est pour moi. Et on met où le Color Fish? Je sais pas encore. Ça, il faut que je l'allonge. Ça, je vais la mettre là parce qu'elle est petite pour l'instant. Là, par-dessus. Même. Après, les palettes de Marion. Ça, ça va ensemble. Alors, on continue. Hop, ça, maman, cosmétique. Ça va ensemble. Ouais. Dragon Eyes. Ensuite Anastasia. Là il y a encore du Anastasia. Comme ça je pourrais bien les voir. Ah bah voilà, tu vois, Cosmic Brushes, j'en ai encore. Challenge Cosmétique. Huda Beauty. Ça c'est mon miroir. Ouais, celui-là c'est pour ta chambre. Donc je te le on mets va de côté. L'accrocher. Ouais, le miroir pour Neila. En fait c'est un plat, tu vois, normalement pour poser plein de trucs dessus. Mais nous, en fait, on va en faire un... miroir. Un miroir pour Neila. Alors, j'ai retrouvé une Beauty Bella dans ce tiroir. Attends, on va la mettre. Alors, voilà. C'est quoi? C'est un blush? Regarde. Regardez comment c'est magnifique. C'était trop haute. Fais voir. Montre à Ismaël. Alors, donc, dans cette petite boîte, tu vois, il y a tous mes bronzers, tous mes highlighters. Bon, du coup, on met tous les blushs, tout ça là-dedans pour l'instant, en attendant d'avoir des petits machins, tu sais, pour les écarter ou autre, peu importe. Tiens, ça, c'est donc, ça. Magnifique. Ça, je vais mettre là-dedans. Là, j'avais mis des échantillons dans une boîte pour tester plein de choses. Ben oui. Du coup, ben, je vais les garder et je vais les mettre dans le premier tiroir, là. La palette pour le teint, là, ça va être tout ce qui est pour le teint. Là-haut. Là. T'as beaucoup de choses là devant toi. D'ailleurs, la palette de Linda Alberg qui est là, je vais la mettre aussi. Ferme ça, Neila, s'il te plaît. Bah oui, mais ferme, il y a plein de petits trucs à l'intérieur. Oh, le beau cœur. Ça, c'est une trousse vide. Palette pour le teint. Est-ce que, Neila, s'il te plaît, je peux avoir la boîte ronde qu'il y a dedans? Alors, wow, là-dedans, tiens, ça, c'est pour le teint. Donc, on va mettre là. Ça, c'est un fond de teint, je vais le mettre là. Je peux avoir le teint là-bas, s'il te plaît. Ça, je pourrais me le donner. Non, j'ai besoin de tout ce qu'il y a dedans, Neila. La boîte, je vais la mettre entièrement dedans. Comme ça, je vais pouvoir mettre toutes mes petites palettes, tous mes petits trucs dedans. Ça va? La t'es pas assez? Oui. Ça va? Je vais tomber sur le doigt. Vas-y, pose là. Ici. Super. Wesh! Wesh, wesh! Ouais, ça c'est pour les sourcils, ma chérie. Les sourcils? Donc voilà la boîte, le couvercle, on pourra le jeter. Toc, toc. Ça aussi. Ah, alors attends, ça c'est tout pour le teint, non? Je suis, oh, je suis trop petite pour le faire. Bah oui, je m'en vais. Non, surtout Issa. Alors. Oh, c'est quoi ça? Ma non, palette. Ouais, c'est ta palette, ça. Pourquoi tu me l'as jamais rendue? Bah, tu peux la prendre quand tu veux, Nana. On dirait que tu dis ça comme si je te l'ai volé. Vous avez vu? Là, c'est pour les yeux, là, c'est pour la bouche et là, c'est pour les joues. Elle est sympa, cette petite palette. Hein. Je sais plus où je... Ah oui, je l'avais achetée chez Carrefour. Forcément, je travaille chez Carrefour. Donc je mets là. C'est bien d'avoir des petites boîtes comme ça. Oui. Oh, quand je t'ai maquillée en clown, t'as pris la... on avait pris une photo. C'est vrai. Les peignes, je vais les mettre aussi là. Et ça, les rasoirs, tu sais, pour les sourcils. Je les mets là aussi. La palette, ça c'est une palette pour, comment on dit, maquillage artistique. Je vais mettre là. Bah du coup, mes petites paillettes, j'ai encore beaucoup de place. Le fer là, je vais le mettre au fond. Je mets tout par terre. Voilà, ce que j'utilise très souvent. Ouais, il y a encore des palettes, Neila. Je peux les avoir, s'il te plaît. Ça, c'est pour faire gagner des choses, donc je vais mettre là. Merci. Donne-moi tout ce qu'il y a dans le meuble. Le gant. Ça,
ça c'est mes dessins. Le gant je vais le mettre avec une feuille blanche. Ça. Mon cahier de notes, je le mets là. Il est très très beau en plus avec les autres. Pour maman, ah oui. T'as vu? C'était trop regarde beau. Ce qu'elle m'a fait. Moi, j'adore. Ok, alors ça, je dessine très bien. Tout ça, je vais mettre au-dessus. C'est dans le meuble que je t'ai montré, dans le petit truc qui tourne là que j'ai acheté chez AliExpress. Que je t'ai montré tout à l'heure. Si t'entends les enfants, c'est normal, hein, désolé. Non. Alors, les palettes, attends, il y en a encore à ranger là. Ta palette, tu veux la ranger dans mon meuble Naila ou pas? Le blush de chez Kiko, du coup, je le range avec mes autres blushs. Après, ça, de chez Sephora, je vais le mettre ici avec les petites palettes. Tout ça, c'est tous mes chouchous, toutes mes petites poudres que j'ai, quoi. Du coup, je vais mettre avec le fer. Là. Avec les éponges pour les maquillages artistiques. Quoi aussi? Ah là j'ai encore des petites palettes. Alors est-ce que ça c'est une petite palette ou un bronzer? Ah c'est un bronzer. Donc je vais mettre au-dessus. Moi je m'amuse. Vas-y, amuse-toi chérie. Tout ce qui est petits bijoux etc. Je vais mettre là. Alors là-dedans il y a quoi? Oh il y a plein d'éponges. Je vais les mettre là aussi. Voilà. Après qu'est-ce qu'on a aussi? Ça ça va être là-haut. Ça c'est une prise. La prise. Que je t'ai donnée. Je la mettre, bon, je vais la mettre part, dans un autre endroit pour faire de la création de contenu. Du coup, je vais mettre là. Ah, la prise, je vais la mettre là. J'ai un pompier. Ah, les mini-clubs. Tu l'avais gardé, Coquine? Oui. Je vais la mettre là. Les autres. Voilà. Ma brosse, je vais la mettre aussi ici. Voilà mes petites paillettes, du coup on a tout rangé ensemble et vous avez vu le rangement du bureau. En tout cas j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, que vous aurez passé un bon moment avec nous. Moi j'ai beaucoup aimé vous filmer ça, en tout cas ça change un petit peu par rapport à ce que vous voyez. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Oui. Ciao. Ciao.